Bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est minuit et je commence ce vlog. On est le 8 mars et dans 8 heures j'ai mon avion. En vrai là je viens juste de finir mon sport, me doucher, me maquiller. Et là je vais faire nuit blanche. J'ai décidé de faire nuit blanche parce qu'en fait je vous explique, mon avion il dure 17 heures de trajet avec une escale à Miami. Parce qu'en fait dans l'avion j'arrive pas à dormir. Chez moi je dors, en voiture je dors, dans le train je dors, chez les gens je dors. Mais dans l'avion j'arrive jamais à dormir dans l'avion. Je me fais trop chier à chaque fois. Du coup bah j'ai décidé de faire nuit blanche, comme ça ce soir je dors pas et je dors dans l'avion. T'as capté ou pas? Wouh, je suis trop intelligente. Faites pas ça. C'est réalisé par des professionnels. Par contre, je vais arrêter de crier parce qu'il y a ma mère qui dort à côté et c'est elle qui m'emmène demain matin. On va partir à 7h. Bon, là, on va finir la valise parce que je suis grave en retard. Oh là là, j'ai trop le seum, putain. Regardez comme je suis fatiguée. Il est 2h là déjà. J'ai fait mon sport, je me suis douchée, j'ai mangé hyper tard exprès parce que je m'apprêtais à faire une nuit blanche. Faites pas ça. Bonne nuit. On se retrouve dans 4h. Bonjour. Ouais, mon make-up il a bien tenu. Il est 6h du matin, je viens de me réveiller, je suis trop KO. J'ai regardé Docker et Manger jusqu'à 4h du matin. Je viens de m'habiller. J'étais trop entre privilégier le style ou le confort. Et là je vois ma mère, elle m'a dit non, tu vas pas en jupe, tu vas pas en bottes et tout, tu vas avoir trop froid. Ok. Les gars, je suis un peu retard, mais j'ai acheté du pain au chocolat parce qu'à l'aéroport c'est trop cher. C'est parti pour la route. Bon, là on est dans la voiture. J'ai acheté deux pains au chocolat. J'arrive à l'aéroport, sauf que je suis en train de courir parce que je suis grave en retard. Il y a pas beaucoup de temps, j'ai le numéro 8. J'ai enfin fini l'embarquement. Franchement, j'étais trop stressée parce que j'avais peur de rater l'avion. Au final, c'était grave rapide en vrai. Il n'y avait pas beaucoup de gens. À chaque fois que je prenais l'avion en Chine, à chaque fois, il y avait une grosse queue et ça me prenait 2 heures. Mais là, c'était rapide. J'ai l'impression que l'avion, il va être vide. Il n'y avait personne. Ou alors, c'est moi, je suis en retard. J'ai demandé une place à côté de la fenêtre. Il n'y a personne. En vrai, je suis grave à l'avance. Ça date, j'ai pas pris l'avion. En gros, pour tous ceux qui sont perdus en mode ouais, je vais aller où, etc. En gros, demain, c'est l'anniversaire à mon frère. Et ça fait maintenant 1 an qu'il fait son tour du monde et qu'il est toujours pas rentré. Son tour du monde, ça fait 1 an qu'il est sur le même continent, mais bon. Et je lui ai ramené un petit cadeau. En fait, il s'est fait voler son MacBook et je viens de le sauver. Parce qu'il doit taffer, il peut pas taffer sans son Mac. Et du coup, bah voilà. Petit moment mini ressenti de ce que je pense du pays pour l'instant. J'ai plein de potes qui m'ont dit c'est le pays de la drogue. Il y a plein de gens, ils se font poignarder et tout. On n'est même pas au courant. Du coup, là, je commence à avoir peur et tout. Comme on m'a dit, c'est un pays dangereux. Et bah, regardez comment je suis habillée. Pause. Les gars, je suis enfin en collab avec là où je m'habille tout le temps. C'est-à-dire. Yes, hey! Je suis trop contente, je vais grave vous montrer de nouvelles tenues dans les prochaines vidéos. Mais ici, le pull, le pantalon et les baskets, ils viennent tous de YesStyle. Et vous avez moins 10% avec le code promo Gouzou. Bon les gars, on va continuer à marcher un peu et visiter. La dernière fois que je suis venue, c'était en 2017. Et c'était pour partir en Chine. Avant, j'allais en Chine chaque été. Mais bon, maintenant, je peux plus y aller. J'ai l'impression que l'aéroport est vide. Il n'y a personne qui voyage. Il y a plein de trucs fermés, wesh. Moi je vais aller tout devant, je dois prendre le A39. Je crois qu'il n'y aura personne à côté de moi. Monsieur, il y a des places de vide ou pas? Pour l'instant, ouais. Bah, j'espère que ça va durer. Hein. S'il n'y a personne à côté de moi, j'ai 3 chaises pour moi tout seul, du coup je pourrais m'allonger. Aïe aïe aïe. C'est la première fois que je prends cette compagnie. American Airlines. Ça m'a coûté 400€ l'aller-retour et j'ai une escale à Miami. Puis à Miami, je vais reprendre un autre avion pour aller en Colombie et rejoindre mon frère. Et là, on se verra. Ah ouais, je suis trop bien là.
Oh, je suis choquée. Le monsieur est venu me voir parce que je lui ai demandé s'il y avait des gens ici. Ils ont dit il y avait que moi. Du coup, je peux dormir comme ça. Et je vais grave m'allonger. Déjà, je suis à côté de la fenêtre. Ça, c'est ce que je voulais le plus. Et en plus, j'ai 3 chaises pour moi toute seule. Je suis en business class, mais je suis trop contente. Putain, le feu là. Oh, je suis bête. La salida de emergencia. Ça va, t'es content? Ça fait longtemps. Ça fait un an, wesh. Je suis sortie, le premier truc que j'ai vu, c'est Dolgueria. Non, mais Dolgueria, ça veut dire pas merci. Ah bon? En espagnol. Pour ça, les gens, ils croient que c'est un truc de drôle de temps. Mais non, c'est à cause de la série Netflix, là. Ça fait un an et demi, je t'ai pas vu. C'est pas beau, hein. Je ressemble à un knacky, là. Soir, premier hôtel, on a 2 chambres séparées face à face. Elle est énorme la chambre, il y a une grande télé et tout. Il est 23h, on va aller chercher à manger. Mon frère il a fait allemand et maintenant il parle mieux espagnol que moi. Wesh, c'est animé hein. Petit déj dans le premier hôtel. Je sais pas trop ce que j'ai pris, je vais goûter un peu à tout. Là j'ai mes fruits. Jour numéro 1. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon frère. J'ai ramené un kimono à mon frère, vous en pensez quoi? Il voulait un truc extra large, ça fait pas assez large. Et moi j'ai fait un test ADN. Ah bon, quand? Je sais pas, tout le monde me dit que je ressemble pas à un chinois. Je me dis, vas-y, faut que je fasse un test ADN pour voir si j'ai pas du sang de Vietnam ou Japon. Ah, moi aussi, c'est la même que toi normalement. Non, toi t'as adopté. Wow, ce pays fait trop chaud. Serveur de resto. Et regardez, ce matin j'ai fait mon sport. J'ai eu la chance, il y avait de la place ici, j'ai fait ma corde à sauter. Bon, là je suis en train de préparer ma valise pour changer d'hôtel. On va partir de l'hôtel et on va aller manger dans un resto. J'ai encore un avion à prendre après. Un avion qui dure 1 heure. Ça c'est la vue depuis l'appart. C'est le départ. Aujourd'hui on va faire une journée pour se promener un peu partout et les visiter. Bye bye hôtel. Ma phobie c'est d'oublier des trucs, surtout que je pourrais jamais les retrouver ici. Du coup on y va. Les murs, ils sont trop beaux, les apartés et tout, c'est... Ça, c'est un pain, oui. Ah, c'est juste un pain. Je sais pas ce que tu veux. Ouais, c'était un fondant au chocolat. Je me suis demandé pourquoi il y mettait ça en entrée. On a du calamar. Moshi, moshi. Ay, es más de cara.
Les gars, jour 2 depuis que je suis en Colombie. Aujourd'hui, je vais vous faire un tour de mon hôtel. Mon frère, là, il est parti prendre le petit-déj. Du coup, moi, en attendant, je vais vous montrer un appart-tour en attendant de le rejoindre. Moi, j'ai pris mon petit-déj ce matin à 6h parce que je me suis levée grave tôt. Avec le décalage horaire, bah, du coup, je me lève toutes les nuits à 3h. Je vais vous montrer l'extérieur et je vais vous faire un appart-tour. Mais je kiffe trop, je suis trop fan, c'est exactement comme sur les photos. Déjà il est géant, regardez, ça c'est la chambre, je vous montre. Du coup là on a les deux lits, là on a l'espace canapé, là on a la porte d'entrée, là on a l'espace cuisine. Ensuite à côté on a un bureau, un grand frigo, il est géant. Le micro-ondes, il ferait trop avoir un appart comme ça. Là on a des petits snacks, on a des cookies, des amandes, des chips, Là c'est mon frère, il a bu. Ça c'est ce que j'avais pris dans la journée spéciale cas au cas où j'avais faim, j'en ai mangé deux au total. Ensuite dans le frigo, c'est hyper rempli, on a des bouteilles de coca et tout. C'est trop bien, c'est un truc de ouf. Là on a une planche. Et juste là-bas, on a la salle de bain. Sauf qu'on a plus d'électricité, en fait, il y a une petite panne. Du coup, je peux pas trop vous montrer. Juste en haut, on a une clim, c'est trop bien parce qu'en fait, il fait 31 degrés. Il fait 31 degrés ici. Là c'est mon lit. Bon, les gars, maintenant on va rejoindre mon frère en haut. On a la porte d'entrée et regardez quand on sort. C'est direct la piscine. Hello. Regardez la belle vue, c'est trop beau. Il est où mon frère? Ah, il est pas là. Là, on a une mini piscine. Ça fait ça. La vue, elle est incroyable. Et mon frère, je pense qu'il est en haut. Coucou. T'as mangé? Ouais, c'était bon? Ouais, c'était gros. C'est bon, hein? C'était grave bon. Mon trépied, il est trop petit. Comment est-ce que ça? Ah ouais, mon frère, il... C'est meilleur, hein? Je suis parti, elle est venue. Je vais pas faire un vrai update de ton tour du monde. Parti au Mexique. Après j'étais au Guatemala, j'atterris en Colombie où je suis resté 7 mois. Mm-hmm. C'est un pays que je vous conseille d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai invité ma soeur en Colombie. Que, en Colombie, c'est un pays cool et que les gens ils sont cool ici. Après je suis parti au Pérou, je me suis fait voler mon Mac, ça a été la fin de ma vie. J'ai failli pleurer. J'étais pas bien pendant 2 semaines et du coup ma soeur elle est venue me sauver. Ouais. Et après, je crois que je vais aller en Argentine ou au Brésil. Et après j'entre en France parce que il y a des problèmes et moi je suis comme Superman, quand il y a des problèmes j'arrive. Ah tu te poses pas dessus? Pas confortable. Ah ouais? Vas-y essaye. Bon, maintenant je vous ai fini de montrer l'hôtel. Là, on s'est changé et on va aller dans la piscine. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Ma mère, elle va me tuer. Et on va se poser dans cette piscine parce que la piscine d'en bas, il y a déjà des gens. J'ai chaud. C'est bon, les gars, on est dans la piscine. C'est bon, les gars, on fait petit déjeuner. C'est bon, les gars, on fait une piscine. C'est bon, les gars, on a fait pipi. Vous savez que le mec, il est en prison. Où ça? Oh, mais c'est une vraie prison. Mais c'est triste. Piscine time. Du coup, là, il va aller là. Wesh, t'as vite. Je viens de faire 20 minutes de natation dans la piscine parce que j'ai la flemme de faire ma corde sautée. Il fait trop chaud, il fait 31 degrés. En plus, si je le fais, bah, c'est sous le soleil. La clim, elle marche plus. Du coup, au lieu de faire 30 minutes de corde sautée aujourd'hui, bah, là, j'ai fait 20 minutes de natation et je vais refaire 20 minutes de natation ce soir. En tout cas, là, du coup, je suis KO. Question, est-ce que je suis devenu plus beau gosse qu'avant ou pas? Y'a pas d'if. Genre, sur une échelle de 1 à 10, combien tu veux sortir avec moi? Allez, je suis toujours célibataire. Célibataire, allez. Libre comme l'air. Bon, vas-y, mange, les calamars, ils sont... On dirait un plat noir. Nos plats sont arrivés. Salade. Ah. C'est trop bon, on a fini de manger. Merci Mathieu. Ça m'a fait trop du bien de manger de la salade. Parce qu'ici, il n'y a que des tacos, des burgers. Là, je suis en terrasse. Il y a toujours la musique qu'on mange. Du coup, ça fait trop une bonne ambiance. Ah, le retour des musiques. Paradis. C'est vrai? Tu peux en prendre 5? 20 centimes. Miam, miam, miam. Le
gars, on vient de revenir de l'hôtel. Maintenant, on retourne à la piscine. Parce qu'il fait trop chaud. Repas du soir. J'ai archi pas faim. Coupa, je vais manger ça. Jour 3. Je me suis réveillée à 5h du matin avec le décalage horaire. Je suis trop KO. Regardez un petit chat. Il s'appelle Shakira, c'est au proprio, il est trop mignon. La piscine elle est juste là. Aujourd'hui on va faire du bateau et du coup bah j'attends que mon frère il se réveille, comme ça on va prendre le petit déj ensemble. A few moments later. C'est bon, mon frère il est réveillé. Hola. Hola. Regardez tout le petit déj. Les jus ici sont trop bons. Miam. Bateau time. Les gars, on est arrivé sur le bateau. Direct du bateau, il y a beaucoup de vent. J'arrive plus à ouvrir les yeux. La Pierre des Caraïbes et j'étais même pas au courant. Si mon frère m'a dit le soir même quand je suis entrée, et Pierre des Caraïbes c'était mon film préféré avant. Du coup, bah, je suis trop contente. On est arrivé sur une île. Là, il y a mon frère, il est venu à la nage. Je te mets un coffre avec des snacks. Oh, on a fait une heure de route de bateau. Je me suis mis tout devant, c'était trop bien. Genre, j'avais l'impression de voler. Là, on va se baigner. On s'est mis en maillot de bain. Wesh. Tu vois les arbres, ils sont trop beaux, les maisons, il n'y a que des trucs en bois. Les gens, ils font que chanter. Vraiment, je vous promets, il y a de l'ambiance partout, c'est trop bien. Je suis trop bronzée là, j'ai mis 50 doses de crème solaire. J'ai pris un petit snack qui était dans la boîte. Du coup, bah là, en attendant le repas du midi, bah on va goûter ça. Wesh, j'ai l'impression que c'est compressé de ouf. C'est bon, hein. Je me demande quelle spécialité je peux ramener. Rien. Ananas. J'adore. Gracias. Buen provecho. Il y a un poisson qui sort là déjà. Ça se mange à la main? C'est quoi? C'est... Pourquoi? C'est du poisson ou c'est du steak? Oh. Merci monsieur. Bon app. On a fini manger. C'était intéressant de découvrir dans la barquette et tout. Maintenant, ils nous ont donné un dessert. Je sais pas ce que c'est. C'est du pâte aux fruits, je crois. Ah, c'est des pâtes aux fruits. J'ai fini ma plongée, j'ai failli mourir. Et là, il y a mon frère et le coach. Ce matin, quand j'ai fait la plongée, j'ai eu un accident, genre en fait je suis descendue à 2 mètres sous l'eau et genre au bout d'un moment ma bouche, y a de l'eau qui est rentrée et du coup je pouvais plus respirer et du coup j'ai dû avaler l'eau de l'océan. Quand je suis remontée à la surface j'ai eu envie de vomir, je sais pas quoi, et ça m'a fait une sensation trop bizarre. En tout cas l'eau était grave salée. Hey, je suis KO, bonne nuit. Ok les gars, petit update. Je vais vous faire un résumé de ce que j'ai fait les deux derniers jours. J'ai pas trop filmé parce que j'avais peur de mouiller mon tel. Parce qu'hier j'étais en bateau et aujourd'hui j'étais en bateau. Du coup, je vous explique le programme. Là on est samedi. Hier j'étais en bateau. Je suis partie faire du bateau avec mon frère. Il m'a emmené faire du bateau. C'était trop bien. On était 40 minutes dans le bateau. Ensuite on s'est arrêté sur une île. Et ce matin je suis partie faire de la plongée. Et c'était... J'avais peur. J'avais trop peur. Au début j'ai chialé. J'avais trop peur parce que mon frère m'a dit des trucs en mode ouais c'est dangereux si tu remontes trop vite, ça te fait un truc au poumon, je sais pas quoi. Moi j'ai peur des requins, je sais pas quoi. Et vraiment je me fais trop truc. J'ai pris des gros coups de soleil par contre. Là ça se voit pas trop parce que j'ai grave mis du fond de teint. En fait si ça se voit pas trop parce que j'ai grave mis du fond de teint.
va de ouf. C'est la première fois de ma vie que je prends un coup de soleil. Moi, je suis bronzée de base. Normalement, je prends pas des coups de soleil. Après, mon frère il m'a fait ouais, le soleil est différent ici. À chaque fois que j'allais en Chine, il faisait 30 degrés aussi et j'attrapais jamais de coup de soleil. Ça fait trop mal. Je touche mon nez, j'ai mal. Même au niveau des épaules, j'ai trop mal. Aujourd'hui, c'est le dernier soir dans cet hôtel. Je suis un peu triste. Demain, on va aller à la montagne et à Skip, le coucher de soleil. Il est trop beau là-bas. Du coup, on verra demain. Du coup, je vous fais des bisous. Transition. Ah ouais, aussi. Ici, il fait tellement chaud que dans l'hôtel, ils mettent pas d'eau chaude. Ils mettent que de l'eau froide parce qu'ils se disent oh ouais, les gens, il fait chaud, du coup, il y a pas besoin. Sinon, tout est bien. C'est ma dernière nuit ici. Je suis épuisée. J'ai encore les coups de soleil qui me font mal. Bonne nuit. Demain, on se retrouve dans. C'est avec une boîte triste que je vous annonce. C'est des larmes qui font couler, wesh. Ouais.